Et bonjour et bienvenue, je suis Cédric Vachon de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi de Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue sur ce C'est mon job consacré ce matin au secteur de l'industrie et de la métallurgie, et plus précisément au métier de la conduite d'installation et de machines automatisées. Alors, petit détail pratique, vous pouvez, grâce au chat sur le côté, nous faire part de vos questions à nos invités et je m'en ferai le relais et puis on essaiera d'y répondre au mieux. Je vous propose qu'on démarre ce petit temps avec Sandrine Brugeron. Sandrine, bonjour. On va activer votre micro, juste là. Voilà, parfait. Alors Sandrine, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre parcours professionnel et nous dire de quelle formation vous suivez actuellement? D'accord. Donc alors j'ai commencé dans la restauration rapide pendant plus de 10 ans et puis après je me suis orientée un peu dans la vente et puis en 2008 j'ai appris qu'on cherchait beaucoup dans l'industrie par intérim. Donc je me suis inscrite, donc depuis 2008 je fais de l'intérim en industrie. Et là, on m'a proposé la formation à l'AFPI pour approfondir mes connaissances. D'accord. Donc, voilà. Donc, Et du coup, le pourquoi ce choix, c'est avant tout pour les opportunités d'emploi que proposait le secteur, c'est ça? Voilà, voilà. Et puis, j'espère que ça m'ouvrira d'autres portes avec cette formation. Et puis... Et du coup, depuis 2008, vous avez travaillé dans quel type d'entreprise? Vous avez rejoint l'industrie, mais plutôt dans quoi? Tout ce qui est milieu électrique. Tout ce qui est dans le milieu électrique. Ouais, vous étiez chez Legrand, c'est ça? Et Legrand et Schneider, oui. Legrand et Schneider, ok. D'accord. Et du coup, vous étiez sur des chaînes de production ou vous étiez sur quel type de poste, en fait? J'ai fait un peu tout. J'ai fait montage de produits, de l'emballage, du contrôle, du brasage, de la centrifuge. Centrifuger les produits. Un peu tout. Je me promenais dans l'usine quand ils avaient besoin. D'accord. Pour ça m'ouvre beaucoup de portes après. Et du coup, c'était essentiellement via des contrats en intérim, c'est ça? Oui, oui, oui. Que des contrats en intérim. Et c'est via l'intérim que vous avez trouvé cette formation? Alors, par rapport à Pôle emploi, j'avais répondu à une offre et mon CV est venu dans les mains de l'AFPI. Et donc, du coup, on m'a proposé un rendez-vous et on m'a expliqué la formation. Et puis, pour moi, il m'a semblé que ça serait un plus dans mon parcours parce que conducteur de machine, je ne faisais pas. D'accord. Et alors, du coup, comment ça se passe la formation là? Vous débutez juste, c'est ça? On débute, oui, on a depuis le début du mois là. Pour l'instant, ça se passe très bien. On apprend beaucoup de choses. On refait des CV à jour. On a fait un TP ETO, donc on apprend à servir d'outils, ce que moi, je ne savais pas. Et c'est très varié. On apprend beaucoup. La conduite aussi. La conduite, oui, la conduite. Ouais. On apprend beaucoup aussi, ce que je ne connaissais pas. Gérer une machine du début jusqu'à la fin. D'accord. Et là, vous êtes combien en formation? On est 8. Ok. D'autres femmes avec vous ou pas trop? On est que deux, moi et une autre, ouais. Personne, une autre femme. Mais on est de toute génération. Enfin, ça va de jeune à moins jeune. À moins jeune, on va dire, avec plus d'expérience. Mais on s'entend très bien. On s'entraide entre nous, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas. D'accord. Et du coup, comment vous envisagez la suite à l'issue de la formation, vous? Ben, j'espère trouver dans une entreprise pour faire dans la conduite, pour approfondir vraiment ce que je viens d'apprendre dans la formation et après essayer de trouver un CDD ou un CDI, quoi. Plus essayer de plus avoir une mission d'intérim, quoi. D'accord. Ouais, l'objectif, c'est ça, c'est sécuriser, oui, un petit peu l'emploi pour avoir un emploi plus pérenne. Voilà. Voilà, voilà. Bon, très bien. Et comment on arrive à concilier? Parce que vous étiez dans la restauration, oui. Vous êtes passé dans l'industrie. On est à chaque fois sur des horaires décalés. Comment vous arrivez à concilier, on va dire, vie pro, vie perso? Parce que ce n'est pas toujours évident. Là, les postes que vous aviez en industrie, c'était du… En 2-8. Ouais. En 2-8. Okay. Voilà, en 2-8, parce que je ne veux pas faire les nuits. Ouais. On se débrouille avec les nounous, les mamies, le conjoint. On est obligé, hein, parce que c'est vrai que nous, c'est pas des horaires bien évidents, mais on se débrouille, hein.
on essaye, hein, de toute manière, on est obligé. Hein, sinon, si on doit s'adapter aux enfants et tout, on ne peut pas aller dans l'industrie. Hein, ou alors, il faut trouver en journée, mais ce qui est très rare. C'est très rare, ok. Oui. Bon, et du coup, ce qui, pour vous, est intéressant dans ce secteur industriel, parce que si vous y restez et qu'en plus vous vous qualifiez dedans, c'est que vous avez trouvé, on va dire, une appétence particulière pour ce secteur d'activité. Et c'est laquelle, du coup ? Mais moi, ce que j'aime bien, c'est enfin, la polyvalence, plusieurs postes, on ne fait jamais les mêmes choses, on apprend beaucoup, il y a beaucoup à apprendre dans l'industrie, il y a beaucoup de postes à savoir, c'est très varié. C'est très varié. C'est la variété qui vous, oui, vous plaît le plus. Oui. Okay. Du coup, Sandra, je vois que juste à côté de vous, il y a votre formatrice. Bonjour Sandra. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, puis nous présenter rapidement le contenu et les modalités de la formation qui est en train de suivre Sandrine ? Alors, je m'appelle donc Sandra Bourron, ça va faire un an et demi que je suis formatrice ici à l'AFPI Limousin. J'y suis revenue parce qu'en fait, j'ai fait deux formations ici à l'AFPI, donc vous voyez, je reviens, c'est que c'est une très très bonne entreprise. Une bonne maison alors. Exactement. Donc en fait, ce que fait Sandrine en ce moment, c'est qu'on lui apprend le métier de conducteur. Hein. Ça va passer après par tout ce qui est, comme elle l'a dit tout à l'heure, de la conduite, la qualité, on travaille aussi sur de la maintenance, la connaissance de l'entreprise. C'est tout ce qui va autour aussi de la machine. On leur apprend à provisionner une machine, pouvoir faire les premiers réglages, tout ce qui est contrôle. Sandrine a déjà un peu travaillé sur ce secteur, donc c'est un petit peu plus facile pour elle. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout ce métier. Donc pour eux, c'est vraiment une super découverte. Donc c'est un bon compromis parce qu'il y a des personnes qui ont un peu plus d'expérience que d'autres. Et du coup, il faut un vrai travail d'équipe, ce qu'ils retrouveront dans une entreprise demain. D'accord. Et du coup, c'est quoi les qualités qui vous semblent indispensables pour s'orienter vers ces métiers aujourd'hui ? Il faut faire preuve d'autonomie, être responsable, être responsable de ce que l'on fait, assez rapide aussi, rigoureux dans ce que l'on fait, et savoir faire remonter aussi dès qu'on a un problème, ne pas hésiter, c'est ce qu'on leur dit aussi tous les jours. C'est important. L'échange est très important et le travail d'équipe. Savoir travailler en équipe, c'est très important pour moi en industrie en tout cas. D'accord. Et du coup, alors, comment on doit s'y prendre pour entrer en formation dans un centre de formation tel que le vôtre ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Généralement, ici, nous, on travaille surtout avec des demandeurs d'emploi. Donc, c'est surtout la mission locale ou Pôle emploi qui nous envoie des personnes, qui nous envoie des CV. Les gens appellent aussi. Il y a des personnes aussi qui sont en reconversion, qui viennent chez nous, qui sont déjà dans une entreprise. Ils s'y sentent ils s'y retrouvent plus. Du coup, ils nous contactent, font des bilans de compétences et s'aperçoivent que, voilà, d'autres secteurs peuvent être intéressants et c'est assez varié en formation chez nous aussi. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, à l'issue de la formation, où travaillent vos stagiaires ? Dans quel type d'entreprise on peut exercer le métier de conductrice ? Alors, chez nous, en tout cas, nous, on a au moins quatre secteurs différents. On a tout ce qui est papier, carton, métallurgie, céramique et agroalimentaire. D'accord. Donc, il y a de l'embauche, hein, sincèrement. C'est ce que je disais à Sandrine tout à l'heure. Les derniers stagiaires que j'ai suivis qui étaient sur de la découverte des métiers de l'industrie, j'ai un jeune de 20 ans qui vient de signer son CDI. J'ai une autre personne qui est plus sur de la soudure, une femme qui est dans la soudure, ouais, à qui on a proposé un poste de responsable qualité. C'est super parce qu'en fait, durant son stage, ils sont aperçus que c'était vraiment une personne intéressante, d'où l'importance de faire des stages aussi chez nous. Et j'ai une autre personne aussi qui va être embauchée dans la soudure, une autre femme aussi. Donc, vous voyez ? Ouais, et c'est ça, la place des femmes dans l'industrie, alors déjà… Hyper importante ! Ah ouais ? Alors, justement, voilà, allez-y, dites-nous, parce que c'est vrai que dans l'image, dans l'inconscient collectif sur le secteur industriel, le travail à la chaîne et autres, on est plutôt… alors, même s'il y a des points industriels qui restent très féminisés, mais notamment sur la métallurgie, on a plus l'image… malheureusement, d'un secteur un peu réservé aux hommes. Et on voit que c'est en train de s'ouvrir plus. Tout à fait. J'ai travaillé 15 ans dans la métallurgie, donc je peux en parler. Sincèrement, c'était super. Je ne regrette pas du tout. J'ai adoré travailler dans la métallurgie. J'ai adoré travailler avec des hommes qui sont franchement super bien. Ils sont un petit peu difficiles au départ,
Mais après, ça se passe bien quand ils nous connaissent et qu'ils s'aperçoivent qu'on fait notre travail. C'est surtout ça, en fait, l'essentiel. Et je pense qu'on fait un petit effet tampon aussi avec les hommes. Ils ont un petit peu besoin de ça. Ça leur permet de temporiser un petit peu les choses. On facilite un petit peu plus le dialogue aussi. Donc, ouais. C'est un sacré plus. Votre bienveillance permet de calmer un petit peu les esprits les plus chauds, on va dire. Tout à fait, ouais. Et puis, notre petit sourire, il fait un petit peu quelque chose. Et du coup, dans l'activité de l'entreprise, les personnes qui sortent de chez vous, qui ont eu cette formation, vous avez dit un taux de placement plutôt intéressant dans le sens où c'est un secteur qui recrute. Il y a des perspectives d'évolution derrière ? Vous les constatez ou ils repassent par la case formation pour évoluer ? Alors, certains évoluent dans les entreprises directement, mais souvent, il y en a qui reviennent aussi pour continuer parce qu'ils se sont aperçus qu'avoir une qualification, c'était bien. Donc, ça s'est bien passé. Donc, ils ont envie de plus. C'est ce que j'ai fait, en fait. C'est mon parcours. C'est tout à fait ça. J'ai commencé il y a 15 ans avec un CQP de conductrice de machine, exactement ce que fait Sandrine actuellement. D'accord. Je suis restée donc 15 ans dans l'industrie. Et j'avais envie aussi d'évoluer, donc j'ai passé, il y a 2 ans maintenant, une licence qualité méthode dans l'industrie avec mon entreprise, voilà. Ce qui m'a permis d'évoluer et puis de partir, faire aussi un petit peu donc ce métier de formateur qui était assez intéressant, que je connaissais pas plus que ça en tant que formatrice, je connaissais plutôt le côté stagiaire. Donc c'était super intéressant et j'apprécie l'expérience. Du coup, vous faites profiter les autres de vos compétences acquises en industrie. Complètement, ouais. Je crois que Sandrine est d'accord là-dessus. Et étant une femme, donc c'est un sacré avantage. Ouais. C'est un exemple. Voilà, merci. C'est ça, c'est un exemple. Et du coup, dans la relation avec les stagiaires hommes, pas de problème ? Oh, aucun souci. Ah non, aucun souci. Non, au contraire. Ils disent, tiens, une femme qui fait 1m45, qui travaille sur des machines, c'est pas mal quand même. Donc, je devrais pouvoir le faire. Ouais, c'est plutôt bien. Ça se passe très bien. Justement, ça, c'est une vraie question parce que souvent, on parle de la pénibilité du travail, notamment dans l'industrie. Donc, maintenant que vous nous avez dit votre taille, est-ce que ça peut, poser des soucis ou est-ce que vous, ça vous a jamais… Vous n'avez jamais rencontré de difficultés par rapport à ça ? Bien sûr que si, on a des difficultés, mais on s'adapte. Après, il faut être volontaire, hein, simplement vouloir bien faire son travail. Et je pense que petit à petit, on y arrive. On arrive toujours, avec l'ergonomie, on arrive à trouver des choses. Maintenant, on trouve des petits caillebotis pour être un petit peu plus haute. On arrive à s'adapter. Hein. Et les entreprises s'aperçoivent aussi, du coup, que certains postes peuvent être un petit peu plus difficiles pour des femmes. Et ils adaptent les postes de travail aussi pour nous. Hein. Et du coup, au vu de votre expérience à la fois en tant que salarié du secteur et maintenant comme formatrice, si vous deviez nous citer quelques avantages et quelques inconvénients de ce secteur d'activité, ça serait quoi ? Ce serait lesquels ? Alors, pour moi, l'avantage de l'industrie, c'est il y a tellement de possibilités, il y a tellement de secteurs différents, c'est ce que j'aime aussi. C'est très varié et c'est cet esprit d'équipe. J'ai adoré. Les femmes aiment bien la variété, hein, parce que c'est ouais. Ce que vous avez dit. Ouais. Ok, le côté varié. On n'aime pas l'ennui, hein, on est des femmes. Hein. D'accord. L'inconvénient maintenant, je pense que ça serait. Ça peut être des fois, je pense que le travail de nuit, c'est quelque chose qui ne me plairait pas trop à faire maintenant, ouais, je pense. Les inconvénients, j'en vois pas énormément, c'est terrible. Hein, mais demain, je serais capable de revenir travailler dans l'industrie sans problème. D'accord. C'est le côté travail d'équipe aussi qui est motivant ou Ouais. J'ai travaillé la nuit, j'ai travaillé en SD, c'est-à-dire le week-end, j'ai travaillé en 2-8 et j'ai toujours aimé, mis à part la nuit qui est un petit peu plus difficile, j'avoue. Mais ce travail d'équipe, c'est vraiment important. Hein. Savoir s'adapter aussi, c'est ce dont on a besoin. S'adapter à une nouvelle équipe, savoir s'intégrer facilement. Et je pense que les femmes ont un petit plus là-dessus, ouais. En toute modestie. On est bien d'accord. Très bien. Alors, je vais passer la parole à un homme. je me tourne vers vous, Roland Desgranges. Donc, bonjour, vous êtes responsable du site de production d'Alodière Automation à Mérinchal, dans la Creuse. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et puis son activité ? Enfin, ses activités. L'entreprise existe depuis les années 50 et fabrique depuis cette période-là donc du matériel vibrant.
Donc, matériel vibrant, c'est bol vibrant, c'est rail vibrant. Et alors, c'est très, très peu connu comme matériel, mais justement sur les lignes de, d'assemblage de production, de composants. Alors, quel que soit le secteur d'activité, hein, mais on est un pur produit industriel. Donc, le bol vibrant approvisionne les lignes d'assemblage. Donc, à partir du moment où vous avez une problématique de distribution et d'orientation de pièces, bien souvent est utilisé un bol vibrant. Je prends très souvent l'exemple du flacon de parfum sur lequel vous avez le contenant, mais vous avez également la petite pompe avec la tigelle et le capuchon. Ben, bien souvent, la pompe avec la tigelle est distribuée et amenée un par un et séparée un par un par un bol vibrant. Et le bouchon également est amené toujours dans le même sens, prête à bouchonner le flacon de parfum après, et donc est distribué un par un. D'accord. Donc c'est un travail à l'origine de chaudronnerie, en fait. C'est un métier de chaudronnerie un peu particulier, puisque ce métier ne s'apprend pas à l'école. Il faut avoir des bases de chaudronnerie, mais après tout s'apprend sur le tas. D'accord. Donc du coup, pour rentrer dans votre entreprise, à la rigueur, à part de la bonne volonté, on va dire la formation se fait sur le tas, c'est ça ? Exactement, on est en plein dedans actuellement, puisque nous avons, alors dans notre jargon, on appelle ça des bolistes, donc les personnes qui fabriquent les bols vibrants. Les trois sont, alors il y en a un qui est déjà à la retraite, mais qui reste avec nous encore une année, et deux qui vont partir prochainement, dans les deux prochaines années, partir à la retraite. Donc, comme c'est un processus d'apprentissage et un transfert de savoir-faire qui est relativement long, on a doublé tous les postes, en fait. Donc, il y a un aîné et un plus jeune qui est là pour apprendre le métier. D'accord. Et au fil de l'eau, en fait. Hein, ce qu'on recherche, alors, il y a évidemment, savoir maîtriser et réaliser un cordon de soudure. Mais après, on a juste besoin de que la personne sache faire ça. Après, le reste, ben, on s'en débrouille. Et du coup, quand vous avez fait ces recrutements, vous avez proposé quel type de contrat ? Parce qu'on entend beaucoup parler des contrats en alternance aujourd'hui. Est-ce que c'est un dispositif que vous avez utilisé ou est-ce que vos savoirs étant très spécifiques, enfin, vos métiers étant très spécifiques, vous n'avez pas trouvé l'offre de formation qui correspondait ? Alors, on a plusieurs problématiques, c'est que on est très éloigné des bassins d'emploi, puisque Mérinchal est à 2 heures de Limoges, 1 heure de Clermont, 1 heure de Montluçon et une bonne heure de Guéret. Donc, autant vous dire que c'est compliqué de trouver du personnel. D'accord. Et à la fois des jeunes qui veulent venir se former ou des moins jeunes. Donc, on a essayé plusieurs modes opératoires. Le contrat en alternance, on a essayé. L'apprentissage, on a essayé. La difficulté, en fait, c'est souvent c'est des jeunes qui viennent de l'extérieur. Les fidéliser, c'est compliqué aussi. S'il n'y a pas un logement à proximité pris en charge par l'entreprise, ben, c'est mort. On a fait ça pendant un temps. Alors, on a eu des mauvaises expériences, mais aussi des bonnes. Et en fait, aujourd'hui, on s'oriente à la fois sur plutôt, on propose directement un CDI, une personne qui sait souder, mais qui peut être soudeur, il peut être soudeur à l'étain, il peut être soudeur charpente métallique, et qui a cette volonté de vouloir rester sur le territoire. D'accord. Ouais, là, du coup, vous jouez à fond la carte. On est implanté ici et donc on fait avec les ressources présentes localement. Oui. Oui. Et comme ça, ça marche. C'est long, mais j'allais dire qu'il faut, on a mis plus d'un an à trouver trois personnes sans dire qu'ils vont réussir. Oui. Parce qu'au-delà de savoir souder, je vous dis, il faut avoir un certain nombre de qualités. Et les gens peuvent le dire qu'ils sont méticuleux, qu'ils sont curieux, qu'ils sont voilà. Mais dans les faits, il faut vérifier s'ils sont capables d'imaginer, parce qu'en fait, il faut imaginer un processus
de tri et de sélection des pièces. Donc, il faut inventer quelque chose. Oui, c'est à la fois le côté grisant et en même temps, c'est ce qui fait la compétition. C'est un défi. C'est un défi. Il faut relever ce défi en disant ben, chaque pièce, un bol vibrant. Donc, en fait, c'est un métier artisanal appliqué à des solutions industrielles. Puisqu'on retrouve des bols vibrants dans la métallurgie, dans la plasturgie, dans la cosmétique, la pharmaceutique évidemment, et un petit peu l'agroalimentaire dans une moindre mesure, mais c'est des solutions qu'on retrouve de partout. Et donc, à chaque produit, un bol vibrant, chaque produit, on remet à plat ce que l'on a fait avant pour trouver une autre solution. Donc, c'est aussi l'intérêt, il est là aussi du métier parce qu'il n'y a pas d'ennui, on ne s'ennuie jamais. Il n'y a pas une répétition de tâches. D'accord. Pardon. Non, et du coup, ça veut dire, au sein de l'entreprise, vous comptez combien de salariés et du coup, quels sont les différents métiers? Parce qu'on a évoqué Bolliste, mais du coup, ils arrivent plutôt sur la réalisation, les Bollistes, mais est-ce que vous avez un bureau d'études avant? Comment ça se passe? Alors, on est 16 personnes et d'accord. Sur ces 16 personnes, donc, on est fabricant de A jusqu'à Z. Donc, c'est-à-dire qu'on conçoit nos bols vibrants, plus parfois des petites lignes d'assemblage de composants. Donc, on a un bureau d'études. On a un atelier tôlerie. On a un atelier métallerie, donc tous les châssis mécanosoudés, on les réalise également. Donc on a parlé de peintre, de bolliste, mais on a également un peintre, puisque on fait toutes nos peintures, revêtements également, c'est fait chez nous. Et on a un électricien et un automaticien. Donc en fait, on couvre tout le spectre. Ah oui, c'est un produit clé en main que vous livrez. C'est un produit clé en main, livré. Il peut être livré avec son armoire électrique, il n'y a plus qu'à le brancher, puis on met en route et puis en avant nous autres. D'accord, ouais, donc des métiers variés. Oui. On s'est attardé un petit peu sur celui de Bolis parce qu'il y a le vrai enjeu et puis que c'est un métier très spécifique. Oui. Mais du coup, les besoins, est-ce qu'ils sont aussi larges sur les autres professions que vous avez dans votre... Oui, forcément, puisque c'est pareil. Il y a d'autres personnes qui vont notamment toute la partie montage de bases vibrantes. C'est un savoir-faire là aussi qui est empirique. Qui va s'apprendre que dans l'entreprise, qui ne va pas s'apprendre. Donc, on va plutôt chercher des aptitudes que mesdames ont évoquées tout à l'heure sur la polyvalence. Il y a de la curiosité. J'imagine qu'en tant que conducteur ou conductrice de ligne, c'est pareil. Il faut avoir de la curiosité parce que quand il y a une panne, c'est pas forcément s'arrêter là où on voit la panne, c'est peut-être chercher un peu plus en amont pour comprendre pourquoi ça s'est passé. C'est plus la conséquence en fait que l'on découvre en fait. Souvent, peut y avoir une autre origine, donc il y a cette curiosité là. Donc on est après il y a des postes plus classiques comme automaticien. À terme, effectivement, ce sera un poste qui sera doublé. D'accord. Et du coup là. Par rapport à l'attractivité de votre territoire, vous êtes parti sur la même optique que celle que vous, ou du moins la même façon d'opérer que celle que vous avez faite pour les bollistes, c'est-à-dire le fait de doubler avec des gens du territoire. Mais oui, c'est un peu. Enfin, je crois que moi, quand je suis pas creusois, mais je suis arrivé il y a déjà de nombreuses années. Mais on m'avait dit, si tu passes l'hiver, ce sera déjà bien. Tu comprendras. Il faut passer un hiver. Dans l'Est Creuse, il faut passer un hiver à 700 mètres d'altitude. Il y a un peu moins de température basse, mais il est vrai qu'il faut passer un hiver pour voir si effectivement on est prêt à vivre dans ce territoire qui est hyper agréable. On sort de l'usine, voilà, on est en pleine nature. On a une qualité de vie incroyable. Mais effectivement, l'idée, c'est de procéder de la même manière. C'est plus chercher en local où on sait des gens ont déjà une habitude de vivre en milieu rural. Ok. Et par rapport à l'organisation de l'entreprise et du coup aux conditions de travail, on évoquait tout à l'heure le 2-8 pour Sandrine. Vous fonctionnez comment ?
Nous, on a juste, c'est des postes en journée, en fait. Hein. Donc, on a une certaine souplesse, hein, puisque on commence le travail à 8 heures, on s'arrête à midi, et on a une heure et demie de pause à midi. Néanmoins, pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a une pointeuse, ils peuvent, il y a 45 minutes incompressibles hein, de pause déjeuner, mais ceux qui veulent recommencer plus tôt, peuvent recommencer plus tôt pour terminer à 16h30. D'accord. Et le vendredi après-midi, ils ne travaillent pas. Donc, voilà. Ok. Ça aussi. Ouais, bah ouais, faut profiter de la campagne aussi. Hein. Bah, ouais, il y a le jardin, ça. Ouais, et du jardin. Et dernière petite question, Monsieur Desgranges, sur la partie perspectives d'évolution qui sont proposées aux salariés, ça se passe comment? Parce qu'on a vu qu'il y avait la variété des chantiers qui assurait tout l'intérêt des différentes professions, mais du coup, est-ce qu'il y a la possibilité aussi d'évoluer d'un métier à l'autre de... Alors, il y a cette possibilité d'évoluer d'un métier à un autre, oui, parce que on est une petite société, donc effectivement, on recherche aussi, comme plein d'endroits, on recherche de la polyvalence. S'il y en a un qui est malade, voilà, on essaye bien souvent d'avoir une autre personne capable de remplacer. J'allais dire, un boliste, il restera très certainement boliste jusqu'à la fin de sa carrière. Alors, non pas qu'il n'y a pas de perspective d'évolution, il y a toujours moyen de progresser. Parce que moi, un de mes chevals de bataille, c'est de développer la formation. Aujourd'hui, les anciens ne sont jamais partis en formation, par exemple. On peut toujours améliorer, je pense, son niveau de connaissance en soudure. Donc ça, c'est indéniable. Mais après, il y a des passerelles. Il y a effectivement des passerelles à faire entre l'atelier et puis après tout ce qui est mise au point et automatisation des machines, des petites. Parfois, ça nous arrive de faire des petites machines. Donc il y a des passerelles à créer là-dedans. Et peut-être l'exemple de Sandra est assez impressionnant aussi, le volet évoluer de salarié dans l'industrie à formateur ou mixer un peu les deux. Étant donné la difficulté que vous rencontrez sur ce métier bien spécifique, peut-être que quelqu'un qui aurait des compétences, je dirais, à transférer son savoir, ça peut être aussi une option, non? Ah oui, bien sûr. Enfin, je vous dis, voilà, moi, je suis... Enfin, ma démarche est relativement simple, je suis très pragmatique et j'invite les gens à venir passer tout le temps qu'ils souhaitent dans l'entreprise, s'ils veulent passer une journée, discuter avec les gars, comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment venir une fois, deux fois, trois fois, s'ils veulent, il n'y a aucun problème. On trouvera toujours le temps de comprendre, pour bien que les gens comprennent et s'imprègnent de la problématique, en fait, de cette problématique si particulière de ce métier qui est somme toute qui est passionnant. Qui est passionnant. Sachant qu'il existe, et là je le dis pour nos auditeurs aussi, il existe pas mal de dispositifs, on va dire, sécurisés ou institutionnels, au-delà de la simple curiosité de venir vous rencontrer et d'avoir la bienveillance d'un chef d'entreprise qui accepte d'accueillir les gens. Sachez qu'au niveau de Pôle emploi, il y a des périodes de mise en situation professionnelle qui peuvent être aussi un bon outil à mobiliser. On l'a utilisé. Ouais. C'est super. C'est effectivement. Les stages d'immersion pendant 2 semaines pour vraiment découvrir le métier, voir si effectivement ça peut intéresser et aller plus loin. Ouais, c'est un outil qui est extrêmement souple et qui en tout cas peut donner des réponses à chacun sur sa capacité à intégrer l'entreprise ou pas. Mais écoutez, un grand merci à vous trois pour vos témoignages qui donnent vraiment envie de s'orienter vers votre secteur parce qu'on voit à la fois le côté varié et épanouissant. Si le public souhaite d'autres informations, plus d'informations sur les métiers, ceux de l'industrie et de la métallurgie qu'on a traité ce matin, mais d'autres, n'hésitez pas, rendez-vous sur capmétier.fr ou au 0800 940 166, l'appel est gratuit, pour avoir plus d'infos sur la variété des métiers que l'on peut retrouver en Nouvelle-Aquitaine. Un grand merci à vous trois. Merci. Bonne continuation. Beaucoup. Merci, oui, par exemple. Merci bien. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Merci.